Sur le programme Open concernant le domaine d'usage hein, qui nous mobilise aujourd'hui. Donc, ce domaine, hein, il est défini par la mise à disposition de l'équipe soignante des résultats d'examens radiologiques, biologiques et d'anapath effectués par l'établissement ou le GHT. Hein, on s'inscrit vraiment dans les deux niveaux de granularité en fonction du cas dans lequel vous êtes. Et les résultats peuvent être intégrés au dossier patient unique en temps réel. Peuvent être, ce n'est pas forcément une obligation. Objectif des indicateurs, donc il y en a deux qui sont logiques, hein, s'assurer du développement de CSI en matière d'imagerie, de biologie et d'anapath, ainsi que de l'accessibilité et du partage des comptes rendus produits. Hein. L'idée, c'est effectivement être en capacité de produire des documents, mais surtout être en capacité de les partager de manière à ce que les professionnels concernés puissent avoir la bonne information au bon moment. Et s'assurer de leur conformité au cadre d'interop de l'ANS quand celui-ci a été publié. Alors, il s'incarne ce domaine par quatre indicateurs. Ce que je voulais dire, c'est que forcément, mesurer en fait l'atteinte d'exigences, ça implique de définir des indicateurs. Mais notre objectif, avant tout, c'est d'accompagner le développement de systèmes d'information sur un certain nombre de domaines fonctionnels, toujours dans une logique hein, d'amélioration de la prise en charge des patients. Et ces indicateurs doivent vraiment être pensés et compris dans cet objectif-là. Donc, le D1.1 couvre l'indicateur en lien avec la production de comptes rendus d'imagerie structurée, produit lors d'un AC ou lors du séjour du patient, consultable sous forme électronique, bien sûr, directement depuis les services de soins et médico-techniques concernés. En termes de cible, on est sur 90% des comptes rendus. Et donc là, l'exigence, elle concerne en premier lieu l'informatisation des comptes rendus et ensuite la structuration de l'entête des comptes rendus. Sur le D1.2, on est donc là sur la dimension anapath, donc c'est le même indicateur, mais la même formulation, mais appliquée au domaine anapath. Et donc là, la valeur cible, on est toujours sur 90% des comptes rendus. Et l'exigence, c'est exactement la même chose, mais déclinée au domaine anapath, donc informatisation des comptes rendus et structuration de l'entête des comptes rendus. Sur le D1.3, il y a une petite, évolution par rapport aux deux premiers indicateurs que je viens de vous expliciter. Donc, le D1.3, là, on est sur le domaine de la biologie. Donc, c'est le taux de résultat de biologie structurée produit lors d'un ACE ou lors du séjour, consultable sous forme électronique, toujours depuis les services de soins médico-techniques concernés. L'exigence, on est toujours sur la disponibilité informatique de résultats, donc la numérisation des résultats et la structuration de l'entête des résultats. Et on a apporté finalement pour, encourager à aller encore plus loin dans l'interopérabilité, une petite évolution dans le cadre du levier financement. Un format de données donc conforme au cadre d'interop défini donc par, alors il y a une petite coquille, c'est l'ANS et puis la ZIP, au format structuré CDR2 niveau 3, permettra finalement, enfin en lien avec l'application pardon, du décret de biologie bien entendu, permettra de bénéficier d'un forfait de financement intégrant un bonus donc de 20% par rapport au forfait standard. Donc, je prends un petit moment pour revenir là-dessus parce que je sais qu'il y a pu avoir des confusions. Donc, l'atteinte de manière globale de l'indicateur, on n'est pas obligatoirement sur du CDR2 niveau 3. On intègre la nouveauté CDR2 niveau 3 si vous êtes en capacité d'aller jusque-là. Et donc là, vous aurez 20% supplémentaires par rapport au forfait classique qui est donné sur une atteinte générique de l'indicateur. Et sur le D1.5, donc en termes d'indicateurs, là, c'est le taux de service de soins et médico-techniques accédant aux comptes rendus et images sous forme électronique. Voilà. Et on vous a explicité, du coup, après la formule en dessous.